Bon les gars, on voudrait vous souhaiter bon marathon. Ouais, parce... bon courage. Ouais, on est avec vous, ouais, on est avec vous. Là, c'est très bien que vous allez faire des chronos. Ouais, là, l'équipe ouais. soudée, ouais. Et je peux vous te dire. Une belle préparation, vous êtes au top. Ouais. Vous êtes au top. Rémi, tu as bien perdu du poids, on te reconnaît. Bravo, c'est ce qu'il fallait faire, tu vois, un bon régime. Moi, je ne le reconnais plus. Là, c'est un mec qui va faire 3h45. Il est bon. Antoinette, je pense qu'elle ne sera peut-être pas derrière devant lui. Non. Oh, t'as derrière. Non. Pour Cordier, par contre, là. Oui, il fait peur, Cordier, parce qu'il a avancé. Il est fort, il est fort. À la fin de l'année, il a fait des balles courtes quand même. Il est fort, ce type. Et Yannick, apparemment, tu as donné ton régime. Ah, quoi, j'ai donné un truc, franchement. Scandinave, si je suis. Il est affûté le mec. Jeune, il fait 3h05. Moi je pense qu'il va faire un bon marathon et on vous souhaite beaucoup de. Ouais. Suivez Christophe, hein, Christophe, c'est un mec bon. C'est footballeur, il a la caisse. Il a les mollets. C'est un type, il a les mollets. Il a la caisse. Et puis c'est un breton, il a le mental. Tu sais, c'était des mecs, il va les mener. C'est dommage, j'aurais pu le faire avec eux. Bah, ils auraient pu faire mieux si on avait été là, mais bon. C'est pas grave, l'année prochaine. Richard, tu fais un bon marathon. Oxygène-toi là-bas. Hein. Ouais. C'est très bien. Non, mais c'est bien, il prend des globules aussi. Il se fait un peu. Il en a besoin. Il prend des globules, il en a besoin. Il a besoin, ouais. Richard, il va bien aussi. Allez, les gars. À tous. Allez, bon marathon. Bon marathon. On s'est régalé, hein. T'es bien tout sorti. Ouais, t'es bien. Oh, dommage, vous n'étiez pas nombreux, mais bon. C'est le marathon de Séville. Le marathon. Moi, il faut rigoler, hein. Leur marathon, je vais t'expliquer. Déjà, les mecs, moi, je vois, quand j'ai fait mon temps, mes 3 heures, j'alternais, tu vois, je faisais des sorties vélo, tout ça. Les mecs, ils se prennent la tête, ils font que courir. Mais courir, c'est pas bon. Il y a Rémi, mais Rémi me dit, alors il y a le marathon, je vais pas vous blesser. Mais Rémi, il aurait fait un peu de vélo, pour le moment, il aurait perdu du poids, il est trop gros déjà. Ça, c'est clair, l'équipe avec vous. Il avait essayé, Il part de loin, puis sa femme, attends, elle fait que des conneries à manger. Des images de lait surgelés, des. Mais elle le fait, à ce moment, il paraît qu'il a du sang empêché. Mais elle le fait, c'est la première année qu'il court autant. Il sait que sa femme est derrière et Antoinette, elle va le pousser sur le dernier kilomètre. Je suis dessus, il court le jour et la nuit, elle le battra quand même. Seul, je te dis, moi cette année, je te dis, il y a Florence et Antoinette. Et tu vois Jean-Marc Rodier, là aujourd'hui il a la bronchite. Ils sont fragiles. Ils ont la pression de leurs femmes, là. Les deux femmes qui courent, là. C'est clair, c'est dire. Ils ont l'impression, mais Rodier, il y a toujours quelque chose de faire dans un marathon, il court toujours. Ah, puis Rémi, tous les dimanches. Les bières, les machins, tu veux faire du marathon. On va raconter combien il rentre. On prépare un marathon. Là, c'est des types qui courent à 4h15. C'est bien, s'il arrive à faire 4h10, c'est bien. Il n'y a que Yannick, c'est un bureau. Il n'a pas tenu, il n'a pas la distance. Je vais raconter une connerie, le régime scandinave. J'ai dit tu manges que des légumes la dernière semaine. Tu vas le faire un peu comme ça. Il est mort. Ils sont bidons. Ils n'arriveront pas à 3h. C'est des tarifs qui restent. Mais tu vois, on fait du vélo. Ils se prennent pour la tête. Nous on est dans la catégorie 3. C'est des coureurs de 4 heures et encore, je veux dire. Alors, ceux qui peuvent, c'est pas mal ceux qui font, attention. C'est pas mal. Il faut qu'ils perdent du poids. Ils vont pour le tourisme. Voilà, on a fait une belle sortie. Ouais, et Richard, il est où en fait? Il est au ski, Richard. Il va rentrer chez Michelin, c'est pour faire le mannequin, là, Bipendome. Ouais, elle est arrêtée là. Alors là-bas, il y a un truc qui s'éclaire qu'elle est arrêtée. Oh putain, mais le client, arrête-toi là. Elle est pas arrêtée, les gars.